C'est chiant, hein. C'est casse-couille, hein. Puis là, en plus, elle l'a fait genre en 20 minutes deux fois, hein. C'est assez énervant. Re. Donc, j'ai dit 18. Je regarde un autre streamer sur le jeu qui avait fait aussi des soucis de drop avec Free. Apparemment, c'est compliqué. Mais ça dépend comment il stream. Parce que nous, on stream en 4G, avec la 4G de Free. Et normalement, ces derniers temps, si tu streams. J'ai un copain streamer qui stream comme moi en 4G, il a le même souci. Tu stream au bout de 3, 4 heures, 5 heures de stream, à un moment, pof. C'est pas vraiment la co qui se coupe en fait, c'est ton upload qui peut. Il arrive à zéro. Et il suffit juste de relancer le live en fait et ça repart. Donc, sauf que là on l'a eu tout à l'heure et on l'a eu il y a 10 minutes quoi. Et généralement ça. Faudrait que tu me dises, PewDiePanda, le nom du streamer que j'aille voir si il stream en 4G ou s'il est en VDSL, enfin en box free. Donc là ils vont mettre 18 dans la gueule. Je vais faire ça. Voilà. Ça. Monte à 12. Et. De dégâts ou 5. Je vais la jouer. Voilà. Et là, je lui mets derrière dans sa gueule. Et donc, je crame une carte. Je vais cramer. Cramer une carte basique. Pseudo c'est Opanir. Ah. Je vais noter. Mais après là c'est vraiment pas un souci de drop quoi. C'est vraiment le bitrate qui se. Justement le drop on a résolu le problème. Donc visiblement c'était l'iPhone qui faisait chier. J'allais voir son stream. Ça le problème c'est qu'après tu peux rien faire quoi. Tant que chez toi c'est pas fibré ou t'as au moins la VDSL, tu peux rien faire quoi. Allez, 3 PV, gagner 2 points de force d'épuisement. 1, 1, 1, 1. Voilà. Pas de défense, hein. Pas de défense. Je vais lui mettre tout dans sa gueule. Je suis safe en plus, hein. 11 ou 10. Allez, 11. Dans ta tronche. Paf. Et je rajoute 10. Paf. Là, il m'attaque, il descend à 1 PV. Vas-y, attaque-moi. Bah, il est mort. Pas comme ça, au moins. C'est plié. Oh, merci, Deki, pour le host avec 3 viewers. Des bisous. Je savais même pas qui streamait des qui. Ah non, c'est un auto-host. D'accord. C'est pour ça qu'il doit pas apparaître sur l'alerte en live. %100. Coûte 1 R en moins par PV perdu dans ce combat. Inflige 16 de dégâts. Joue obsidienne avec des attaques en main. Inflige 14 de dégâts. Gagner 2 de force. À la fin du tour, perdez 2 de force. Prendre celle-là. Celle-là m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air frais. Alors, continue. Ok, il y a une couille magique là, bizarre. Alors. Il a quoi? Alors ça c'est de la merde. L'artefact on s'est déjà fait pouiller la dernière fois.
La boule magique. L'ami compte utiliser un blocage pendant son tour. Lui, son blocage... Putain, il a 40 de blocage quand même. Hein. Son blocage se barre pas. Faut vraiment que je pète l'artefact tout de suite, quoi. Lui, il va me faire chier, mais... Dans ta tronche. Ça, c'est bonheur. Hop là, ça c'est fait. Jamais je le taperai, quoi. Prendre ça au cas où. Évidemment, ça dure qu'un tour. On a fait le con. Putain, il monte à 65. Mais c'est quoi son bonus de faire ça, là? Comment il récupère autant de... Je suis d'accord que ça la barricade, ça te permet de pas perdre ton comment? Ton blocage, mais comment ça se fait qu'à chaque tour, il en récupère à mort? C'est mis qu'on vous inflige un dégât négatif, ok, annule 3 debuffs, d'accord, il n'y a rien de... Là, ça sert à rien, je vais pas pouvoir le taper, hein. Une essai de blocage, un petit 6 de dégâts. C'est temps, voilà, ça a gagné. Paf. Il avait commencé avec une armure, il en a racheté pendant le tour précédent. Petit bâtard. Voilà. Fin de tour. Je suppose que je garde mes points d'énergie en plus. Ah non, je garde pas mes points. Dommage. Inflige 15 de dégâts, pas mal. La fin de tour, 3. Plus 6, ça fait 9. Enfin, je vais pas pouvoir me protéger. Il va me mettre cher. Y'a pas un truc où je peux piocher une carte? Ça sert à rien de toute façon. Il a son armure. N'oublie pas le buff en force avant d'attaquer. Mais ça sert à rien que je l'attaque. Il a masse armure. Ça lui fera rien, quoi. Ça va lui descendre son armure à la rigueur. Elle descend son armure, mais ça m'a... Moi, ça m'a tout pété, hein. Non, je suis pas obligé de l'attaquer. Je peux pas la jouer, celle-là. Ah, c'est ça. Ah, tiens, c'est bon, ça. Bam. Ah, putain, j'ai plus rien. Dommage. Ah, je suis monté à 19. Nice. Il y a des trucs, je suis pas encore au level. Hein. Il y a des trucs qui se passent bien pour moi. Je fais putain, d'où ça vient, quoi. Là, il va me refoutre 10 dans la tronche. Celle-là, injouable. Voilà, c'est gagné. Je peux en jouer 2. Il a remis de l'armure, hein. Le petit bâtard. Alors que je le foule. Allez. Là, t'as mangé, là. C'est pour ça qu'il a pas beaucoup de vie, ce mec-là. Sinon, s'il avait 200 PV, ça serait injouable. 10 de dégâts à tous les ennemis. Ouais, c'est gagné. Allez, voilà. Easy. Gagner 2 de force à la fin du tour, perdez 2 de force. On veut pas ça.
Gagnez 8 de blocage, piochez une carte, ça c'est pas mal. Et puis toutes les cartes de votre main, sauf attaque, infligent 20 de dégâts. Prendre ça. Hein. Ah, un marchand. Ça c'est bien. On n'a plus beaucoup d'or par contre, on a tout pété. 2 points d'énergie, ça pourrait être intéressant. À la fin du tour, gagner 3 de blocage, ça c'est bien, ça nous sert pas mal à chaque fois. Oh putain, c'est bien ça. Genre ça vaut si peu que ça. J'achète. Echo, moi je dis, ah bah là, celle-là valait trop le coup. Protection, c'est très bien si tu l'as up. Et je vais quand même prendre... on refera du pognon, mais je vais quand même prendre... ça pourrait nous servir pour spammer pendant un tour les attaques. Ah, elle était pas mal. Hein. Mais elle coûtait que 23, quoi. Tu te dis, putain... Forgeron. On a encore assez de PV, sachant qu'on va en récupérer. Et donc j'améliorerai bien, donc il faut une grosse carte en fait. Alors. Tête, d'avance, gourdin. J'améliorerai bien le gourdin pour monter en PV, voir ce que ça fait. J'améliorerai celle-là. Voilà, je passe à 20 de blocage en ayant 2 cartes play, elle sert pas mal. Protection, ça up toutes les cartes de la main si tu la up. Ah, ça c'est bien. Bon bah c'est le boss. Ok. Alors, on commence avec un petit blocage de 10 des familles grâce à l'encre. On a 1 en force et... 3 en épine. Ça c'est bien. Combustion, à la fin du tour, perdez un PV, infligez 4 à tous les ennemis. Ça sert à rien. Gagnez 2 en force. On prend. Le 5 en blocage, on le prend parce que... Normalement on perdra pas le blocage à la fin du tour, il me semble. Ah oui non, on n'a pas fait... C'est une carte. On n'a pas la carte. Ok, il a monté 2 en force. J'aimerais bien avoir ma barricade. Il va me foutre un malus. Ça c'est pas mal. Faisons une carte à améliorer. Ah merde, putain, c'est... C'est une carte de ta main, c'est pas une carte de ton deck. Dommage, j'aurais dû jouer ça au tout début. Regardez le nombre de CPV. Ouais, il est à 420. Ouais. Et il a 15 d'armure maintenant. Et il va me foutre 12 d'épée dans la tronche. Mais non, ça va le faire, t'inquiète pas. Je suis vulnérable, ça fait chier. Il me faut que les cartes attaquent. Je vais essayer de la cramer. Yes. Dans ta gueule. Ah, je peux toutes les spammer en fait quoi.
Elle m'a foutu une combustion. Ah non, c'est ma carte, la combustion. Putain, il m'a foutu, il m'a rajouté de la vulnérabilité, petit bâtard. Là, c'est de la merde. Putain, il va me foutre 18 dans la tronche, là. Ah, j'ai plus assez. Hop là. On voit la faiblesse. Trop tard. J'ai pris cher. Il va me faire mal là. Moi je l'ai empoisonné. Là tu vois la petite potion des rajouts 2 d'énergie, elle a servi. C'était maintenant qu'il fallait la placer. Oh putain, 25. 3 de blocage. Vite, du blocage, du blocage. C'est bon. Salut Shings, Shinkies, bienvenue à toi. Bienvenue chez les tétards. Putain, je suis monté à 36 d'armure, tranquille. Il va me balancer un malus, non? Non, il va prendre un buff. Il y a moyen que je le tabasse. On va le tabasser direct. On va lui mettre la faiblesse. Je pioche. Enfin, c'est une attaque de merde. À 10. Gagnez 3 de blocage à la fin de votre tour. Ok, c'est bon ça. Il va réutiliser un bonus. Faudrait que je crame celle-là. L'eau de la pioche. Une fois que j'ai pioché, une frappe. Coûte trop cher celle-là. Paf, ok, c'est bon. Non mais j'ai que des cartes d'attaque, c'est bon. Ah, j'ai une carte compétence. Là, c'est bon. Dans ta gueule. Ok, il vient de se buff en force là, petit batteur. Putain, il va me mettre 30 dans la tronche. Attends, peut-être il y a une petite technique là. Il y a une petite technique là. 5. Je mets ça. Je décide d'améliorer. Ah! Putain, il m'a condamné la carte que je voulais améliorer. Oh l'enfoiré. Il va me refoutre un malus.
Ça devrait passer s'il n'y a pas de phase 3. C'est pas mal que je regagne 3 d'armure à chaque tour, hein. Ça c'est pas mal. Hein. Enfin, lui il en a un aussi, mais de 15 c'est mieux. Putain, il va me remettre 15, 30 dans la tronche. Ah, j'ai mon malus en plus. C'est de la merde ce que j'ai fait. C'est de la grosse merde ce que je viens de faire. J'ai oublié qu'il avait de l'armure. Alors là, j'ai intérêt à le buter tout de suite, là. Je ne te juge pas. Jamais j'aurai autant de blocage. Je vais spammer l'attaque. Je pourrais jamais avoir autant de blocage pour tout prendre. Non, faudrait que ça passe celle-là en fait. Ouais, là j'ai pas le choix. Mais j'ai deux compétences. Ça fait deux. Le problème c'est que si elle est comptée comme une vraie carte, je pourrais pas. T'as une carte play, ouais, c'est mort, hein. Elle passera pas. C'est pas... Ah c'est ça, je savais pas si la carte play comptait comme une vraie carte ou... Bon, bah voilà. Enfin, je vais devoir tout recommencer, c'est ça? Comment on change son perso? Ah là. Ah, il a moins de PV. Mais lui, au début de chaque combat, il a deux cartes en plus. Ça, c'est pas mal. On va essayer avec celui-là. Bonjour. Ah, du coup, c'est un nouveau deck. C'est un deck qu'a lui. Surtout que tu avais pas pris les items au début du jeu, c'est vrai. Pourquoi elle coûte que 0 celle-là? Elle m'applique un de faiblesse à moi. Non, c'est... Non, c'est à lui. Oh, c'est une bonne carte, ça.
Ouais, toi, Panda, tu joues au jeu? Pourra nous dire s'il y a un multi. Non, je crois pas qu'il y a un multi sur ce jeu-là. Ça serait cool. J'ai envie de jambon beurre. Comme je sais que ma vie vous intéresse. Ouais, je l'ai acheté aujourd'hui, pour le moment le jeu est solo. Et ils annoncent un multi ou il restera solo? Peux plus jouer. Là, je suis habitué à mon ancien deck et mes anciennes stats, alors... Le mec, genre, il est habitué à son perso, il a joué une heure avec. Je connais bien ce genre de carte. Je vais pouvoir me faire un paquet de pognon. Et la 4 qui coûte 0. Quoi? Ah là, et la carte. Ah oui, putain, j'ai même pas vu. Tu vois, on parle et puis. Je regarde sur le replay, peut-être. Ah non. Ça va me faire mal. Bonsoir, Perceval, je t'attendais. Je voulais faire du bateau qui fait piou-piou. Mais t'étais pas là, t'étais au sport. Pardon, je suis encore un peu alcoolisé. Stream dissident. Je connais bien ce genre de carte. Je connais bien ce genre d'alcool. Alors, frappe. Je lui frappe sa tronche. Full. Elle va me mettre cher. Tu vois, là, j'aurais l'autre perso. Là, je lui mettais dans sa tronche. Voilà. J'aime bien ce genre de machine d'haltérophilie. Sûrement une machine créée en 1456. C'était Marignan, mon grand-père, qui l'avait dessinée. Alors n'oublie pas de cliquer dessus pour la récupérer, on n'avait pas prévu ça au début. Lancer de dague, infliger 9 dégâts, piocher une carte, défausser une carte. Piocher, défausser. Infliger 4 dégâts à tous les ennemis, deux fois. Ça c'est bien. Ok, ça va malus, hein. Ça va malus. Et bah voilà. Hein, dans votre gueule. Pour pas me faire chier, moi. Je vais te crever. Enemy turn. Coffee time. Ah ça, il va falloir que j'aille faire un café. Le mettre dans sa gueule. Il va faire un malus encore, de merde. Paf, dans ta mouille. Hop là, 4 de blocage. Applique 99 de vulnérabilité. Ah, je prends ça. Ça a l'air bien. Ça va être bien. Alors, il va mettre 12 déjà dès le début, hein, rien à branler. C'est con, on avait la nouvelle carte, on aurait dû la jouer, mais je préfère être safe au début du combat. Ça, c'est bien. Voilà, dans ta gueule. Et je peux pas bloquer. Qu'est-ce qu'il fait le chat là? Qu'est-ce que tu viens, Pupiou là? Papa il stream sur le internet. Inflige 4 dégâts, on s'en fout. 8 de blocage. Pas mal ça. 10 dégâts. Vas-y, je donne. Je crame ça. Qu'est-ce qu'il fait le chat là? Je prends. Salut Flo!
Alors. Tu vas mettre 7 dans la tronche. Ah, il m'a foutu un malus ce PD. Petit bâtard, va. Bière. Bière. Alcool. Encore un tour sur le malus. Bon, je teste la nouvelle carte. Dans ta gueule. Je reste frais, hein. Putain, il fait que des attaques à 12. C'est quoi que j'ai déjà là? Épuise toutes les cartes statues dans votre main. C'est de la merde. C'est une fiole enchantée. Faut le full attaque lui. Je fais ce que je veux déjà. J'attaque, mais je reste safe parce qu'après il y a les boss, ça monte en level. Comme ça, je garde mes PV. En utilisant cette technique-là, tout à l'heure, on a réussi à aller jusqu'au boss. Reste frais surtout. Reste frais. Le deuxième. Inflige 9 de dégâts, puis une carte, fausse une carte. Celle-là est pas mal parce qu'elle coûte 0, mais celle-là, j'avoue qu'elle va nous servir. 4 centièmes. Millième, on a fini le jeu 3 fois déjà. Merci le dev d'avoir envoyé une clé à Perceval et à moi. C'est comme quoi être streamer, ça rapporte. En entrant dans la salle, vous entendez un gargouillis, un grincement métallique. Devant vous se tient une créature visqueuse qui a mangé bien trop de ferraille pour son bien. Au centre de la créature, vous captez l'éclat d'étranges lueurs. Peut-être quelque chose de magique. On dirait qu'il vous suffirait de tendre le bras par son ouverture pour saisir un trésor. Cela dit, l'acide et les objets tranchants risquent de vous blesser. Perdez 3 PV ou trouvez une relique. Ok. Aïe. Alors ça, on va se faire baiser comme avec le bouquin. On peut mourir dans le jeu ? Je crois que non, le dev il a dit que s'il file la clé à des streamers, nous les streamers on est invincibles. Vous ne dénichez rien d'autre que du métal corrodé à une sensation de brûlure, cependant vous avez l'intime conviction qu'il est une relique. Putain ouais, ça me fait chier quand même, mais je veux la relique. Aïe. Vous ne dénichez rien d'autre que du métal corrodé à une sensation de brûlure, il y a une relique. Je veux la relique. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Chaque fois que vous jouez, 3 attaques en un tour, vous gagnez 4 de blocage. Ça peut être intéressant. J'ai pris trop cher. Buff streaming. Alors, lui je l'aime pas. Lui je l'aime pas, il se divise ce connard. Tac tac. Je vais mettre ça dans sa gueule. Voilà. Là mon gars. Ça aussi. Voilà. J'ai gagné en énergie en plus. Ah non, ça me coûtait rien, c'est pour ça. Ok. Donc si je me rappelle bien, c'est 25% de moins sur le blocage, c'est ça. Gagner 3 de blocage au prochain tour, gagner 3 de blocage. Pas mal ça. Je prends. Gagner 6 de blocage, défausser une carte. Vendu. Je vends une attaque. Ça fera pas la rue Michel. Voilà, full défense. Bon, vu qu'on cumule pas les points d'énergie, autant les cramer. Même si ça sert à rien. Bien tanké, ça.
Ça, c'est bien, ça. Alors, easy ou pas easy? C'est easy, jeu trop facile. Il va me sortir un malus. Ah, je vais le full, hein. Il sait pas ce qu'il va faire. Il s'est divisé, le petit BD. Il peut aider, voilà. De blocage. Bon, ils vont foutre que du malus, ces cons-là. Mais ils font que du malus, ils attaquent rarement ces machins-là. On a bien un petit feu de camp. Ajoute 2 sur un battement. Bien joué. Tous les ennemis perdent 6 de force pendant un tour. Ça, c'est bien. Inflige 8 dégâts au prochain tour. Gagner de l'énergie. Je sens que celle-là va nous servir. Ah, en feu de camp. Bon, cette fois, on se repose. La prochaine fois, on fera... Je connais bien ce genre de feu de camp. Sûrement fait avec du boulot. Ou du être. Ah, un ennemi d'élite. Mauvaise nouvelle. Oh, les putains d'artefacts. On les aime pas, ceux-là. Je connais bien ces alt. Et altesse. J'aime pas, ceux-là. Ils font chier. Ah, ils m'ont foutu que du malus, ces cons-là. Gagne 4 de blocage. Prochain tour, gagne 4 de blocage. Ça, là, peut servir. Tous les ennemis perdent 6 de force. Bam, dans ta gueule. Allez. Voilà, vous avez plus le bonus. J'avais un ancêtre bûcheron qui vivait dans une cabane en Alaska. Il pourra me dire ce que ça vaut. Écoute, Brian, je vais pas te mentir. Toi, dans ta gueule. Voilà, malus sur malus. Voilà, bon, là ça s'éclate. Hein. Oula, ouais, ils enchaînent tous. Génial. Ça va, je suis pas tombé dessus. Gagner 8 de bloc. Ah là, ok, ça va taper là. Là, ça va taper. Je vais défausser celle-ci. Je vais mettre du blocage. Je vais quand même leur mettre ça dans leur gueule. Ça n'a servi à rien, mais dans le doute, sur un malentendu, c'est passé, quoi. Ah oui, plus d'énergie. Le mec est encore vulnérable pendant 97 tours. Bah ça, la revoilà, cette carte-là, elle est bien. Il y a une carte de blocage. Paf. Paf. Quelle erreur, Madame Chombier. Comme bonus là. Ah oui, c'est ça, ouais. Ok, bon bah ça va être safe. Préparer les bateaux pour que quand tu auras fini ta game. Ah oui, on va faire du bateau piu piu. Inflige 3 dégâts. Inflige un faiblesse. Oh, dans ta gueule. Gagner 8. Gagner 5. On dit navire, on dit navire. On peut même dire bâtiment, un bâtiment de guerre. Ok, bon là c'est la merde, j'ai pas de blocage. Ça dépend si t'es branleur de marin d'eau douce ou un vrai loup de mer. Incroyable, terrible!
Mets dans sa gueule à toi. Allez, mets-moi mes 3 PV. Enfin, j'ai trop spammé la carte qui me donne des cartes corrompues, là, c'est de la merde. Malus. C'est sympa en tout cas de descendre en vie pour pallier au manque de difficulté. Vous avez accès au jeu de pirates. Non, Sea of Thieves, on n'a pas eu accès, non. Je connais bien ce genre de prise de risque. On n'a pas réussi à avoir une clé, on s'y est pris trop tard. J'ai eu une clé pour Civil Warfare, qui est trop de la merde. Et j'ai eu une clé pour Conqueror's Blade. On a fait la bêta ce midi. Et là, faut que je demande une clé pour Mutant Blade 2. Ah, c'est bon, on a l'écaille. J'aime bien l'écaille. Le trinquet. Y'a pas d'heure pour faire la bêta. De quoi, la bêta de quoi? Inflige 12 de dégâts, cadeau épuisement. Salut Julia, bienvenue. Inflige 12 de dégâts, cadeau épuisement. Gagne 4 de blocage, prochain tour, gagne 4 de blocage. On l'a déjà. Le bêta. Ah oui, il n'y a pas d'heure pour faire le bêta. Mais la bêta, alors... la bêta de Conqueror's Blade, elle se termine le 3 février. Dis pas moins de conneries quand j'ai bu, hein. Prochain tour, votre attaque est doublée. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bonsoir, Julia. Inflige 12 de dégâts. Cadeau épuisement. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Ça, ça coûte trop cher. Allez, on prend ça. En tout cas, pour l'instant, Percy, tu m'en as vite fait parler hier soir. Toi, tu l'as testé hier soir. Ou la nuit dernière, je sais plus. Non, il y a 2 jours. J'aime bien. Bon, je vais pas y passer 20 heures. Je vais pas faire 40 heures de stream dessus, quoi. Mais c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est mieux qu'Hearthstone, quoi. Ah bah, je l'ai, elle est là. Donc là, t'as un foot 10 déjà dans la tronche. Elle est folle. Je me protège, je reste frais. Je reste safe. C'est frais. Exactement. C'est vrai que c'est frais. Ça détend. C'est comme les bateaux qui font piu-piu. Dans ta mouille. Bon, je vais faire ça, mais du coup, ça me donne un épuisement. Non, même pas. Non, ça lui file un épuisement. Ouais, c'est pas juste un jeu de cartes. Ouais, c'est clair. Ça me rappelle un peu Golden Sun, en tour par tour comme ça. J'aime bien. Faudrait que je le refasse, Golden Sun. Faudrait qu'on refasse le dernier. D'accord, donc l'autre, elle est folle. Attends. Je me protège. Pourquoi je peux pas me protéger? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne peux pas me protéger. 8... Golden Sun RPG, ouais, mais le Golden Sun RPG, t'avais quand même du tour par tour sur les combats. Moi, ça me rappelle ça, le... même si là, c'est des cartes, ça reste du tour par tour. Vas-y, crame ça. Ah, même pas de carte. Ah non, y a pas de carte. Allez, tiens. Ah, dans ce cas, tu mets Pokémon. Pokémon, c'est du tour par tour aussi, effectivement. Je veux dire, c'est le même genre... Oui, Final Fantasy aussi. C'est le même genre que... comme Pokémon, voilà, où t'as le temps de réfléchir, où faut faire ta strat. Bon, sauf que Pokémon, tu peux spammer qu'une seule action à la fois, mais... C'est vrai qu'elle gagne de l'or, elle, ce con.
Ça c'est bien. Parce que vous appliquez un poison supplémentaire. Bof, pas terrible. Aléatoire. Le midlife qui s'envole tranquillou, c'est clair. Pour récupérer 17. À base de tranquillade. 50 heures pour retirer une carte de votre deck. Ah, ils sont mignons. Là, ils vont me spammer d'attaque. Ça va faire mal. Toujours debout, toujours serein. Il spam les attaques, je pense que je vais devoir les péter vite fait parce que ça va être la merde. Putain, il a pas crevé ce PD. Et OP contre les petits merdes. Je croyais qu'il y avait écrit gagner 25 de bloc, elle fait quoi? Ah, ça vous a fait tout drôle hein, de plus pouvoir mettre d'attaque. Hein. Les attaques qui tombent à zéro. Bim, dans votre gueule. Ok, bon, maintenant ça va chier. Putain, j'inflige que 4. Ah, ils m'ont mis un malus, c'est pédé. Bon, on va full block. Ah, Julia qui est revenue. Julia qui était partie et qu'elle est revenue et que la connexion, elle a fait F5 refresh. Incroyable. Boum. Merci le trinquet. Donc, pétez votre mouille. Quel dommage, Madame Chombier. Bleh. Faudra refaire un café quand même. Inflige 9 de dégâts, pioche une carte défaussée. Inflige 7 de dégâts, applique une 1 de faiblesse. Inflige 5 de dégâts. Prendre celle-là parce qu'elle vaut rien. Aléatoire. Vous tombez sur ce qui ressemble à un groupe d'esprits de feu violet qui danse autour d'un grand feu de camp. D'accord. Les esprits jettent des osselets, des fragments dans le feu qui s'animent vivement à chaque fois. Vous approchez et les esprits se tendent vers vous avec espoir. Je connais bien ce genre de playatif. Ah, je me défausse d'une carte. Bon. Vas-y, balance. Rien ne se passe. LOL. On met une carte pour rien. Si la carte est rare, mieux sera la relique. Ah, d'accord. Alors, ennemi d'élite ou ennemi classique? Ennemi classique. Alors. Des nuages de sport, donc quand ils crèvent, ils font mal. C'est ça. Elite, c'est dangerous. Salut, The Voxing Game. Bienvenue.
Inflige 3 de dégâts, applique 1 de faiblesse. Voilà. Ça c'est bien. Ok. Bam. Alors, Julien, on a des problèmes de connexion? On me foutresse dans la tronche? Attends, on prend cher par rapport à tout à l'heure. Hein. On n'était jamais descendu aussi bas. Ouais, je te laisse bonne nuit, je joue pas trop tard mon petit. C'est ça, lol. Bonne nuit Flo. La carte qui coûte 0, on s'en reparle. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je stream le jeu. Hein. C'est pour que les viewers participent. Hein. Je peux pas penser à tout. Hein. Bon, on va la jouer simple, celle-là. Est-ce que j'ai assez de défense pour tenir ou pas? 9. Oui. Et on dit merci au trinqué. Allez, merci au trinqué. Voilà. Et comme on est con et qu'on ne pense pas au délai, on ne voit pas que la participation est avant tout symbolique. Bon, tu sais, t'as 10 secondes hein, de délai. Hein. Là, je fais ça. Attends. 1, 2... 3, 4, 5, 6. Là, il y a 6 secondes. Enfin, en tout cas, chez moi, là, sur le retour, j'ai 6 secondes de délai hein, sur le stream. Hein. Donc, 6 secondes, t'as vu comment on joue tranquillou, j'ai le temps de le lire. Hein. Inflige 9 de dégâts, piocher une carte. D'ailleurs, 6 secondes de délai sur Twitch, incroyable. Dépense tous vos machins. Inflige 7 fois 7 de dégâts, X fois. Ah! Inflige 8 dégâts, pêche une carte. Ça c'est bien. On aime bien les dégâts. Alors l'autre a pique de l'or. Et on a plus beaucoup de PV, c'est la merde. Il faut une potion. On a qu'une potion de merde. Ouais, 10 secondes pour anticiper le play actif quand on est abîmé, c'est pas évident. Ah ça après, l'alcool c'est mal. Hein. Alors je vais cramer. Elle pique mon or. Du bâtard. Je vais rester safe. Hein. On va essayer de garder les PV le plus longtemps possible. On aurait dû prendre celle d'à côté qui infligeait un PV de plus. Je pouvais pas ne pas marquer le coup. Du coup, j'ai levé le coude. Dommage. Il
Use une hypertise de force pendant un tour, ok. Inflige 8 de dégâts, ok. Applique 2 de faiblesse, garder 12 de blocage, ça c'est bien. On en a déjà une, mais on la prend aussi. Un feu de camp de la vie. Ça nous rapporte que la moitié. Est-ce qu'on peut retourner en arrière, aller à l'autre feu de camp? Sur celui-là ou celui-là. Allez, un boss. C'est un midlife, ça va être tendu. On ne sait pas ce qu'il va faire en plus. Il met ça dans sa gueule déjà. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Le mec est chaud. Un boss 35 PV, une possibilité. La fuite. Ok, donc 18. J'aurai jamais assez. Je vais me faire démonter la gueule. Ça va être violent. Hein. Alt F4. Je reste frais. J'ai mal à ma France. Sur un malentendu, ça peut passer. Hein. Ça, il va me remettre dans la gueule en plus. Hop là, ça c'était le petit coup de latte dans la nuque, tu sais. Hop, au passage. Est-ce que... Je sens que le trinquet fait son boulot hein, entre deux. Hein. Tendu. La moule magique contre la boule merdique. Ok, elle va me foutre un malus. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Va te cramer le fion, tu auras un bel oignon grillé. Allez, mange. Je reste frais. Les petites cartes à zéro de conso sont pas mal, hein. Je me protège. Gagne une quête de blocage. Au prochain tour, gagne une quête de blocage. Non. Et comme Jeanne d'Arc, il a free, il a tout compris. Et là, il a toujours pas compris que quand il m'attaque, il perd des PV. Grâce au train, ok. Ok, il va faire un malus. Ah oui, je sais plus ce que ça fait, ça. Ça, je gagne 4 de blocage dès que j'attaque 3 fois d'affilée.
Ok, bon, là par contre, là, je vais prendre très très cher. Ça va me piquer le cul. Tiendrai jamais. Ouais, 42, ça va faire mal. C'est la fin. C'est la fin, c'est terminé. Si ça, c'est pas beau. J'aurais dû lui mettre des dégâts comme un con. Ok, elle va mettre 9. Ça va être très tendu. Et c'est la fin. Attends, j'avais 9 pourtant. Ah, il avait un bonus. De la merde. Incroyable. Bon alors comment ça va The Voxing Game? En ce vendredi soir ou samedi matin. On va retourner sur lui là. Lui t'es bien. Un choix. Une carte à récupérer. 8 en PV. Ah oui, haha, 3h du mat. Allez, je reste frais, je prends les PV. Partir par... Oula, ça va être compliqué là. Celui-là est pas mal. Celui d'à côté était peut-être mieux, fin de compte. Le mec déjà il attaque 11, il a pas le temps quoi. Ah si, sinon on est sur la bêta de Dauntless aussi. Dauntless c'est pas mal. Et 14, le mec n'a pas le temps quoi. Malus, malus. Bam, dans ta gueule. Faut me faire chier, moi. On n'a pas les cailles, dommage. Allez. Pas mal. Gagner 5 de blocage, mettre une carte dans votre main pour le reste du combat. Pas mal. Enregistrer des dégâts, appliquer une faiblesse, machin. Protection, c'est la vie. Ça a un peu droppé là? Oh, très légèrement.
me foutre un malus. Attends, on va faire ça. Paf, je veux améliorer ça. 10. GG. Paf, dans ta tronche. Un petit freeze, rien de méchant. Oui, ça va, ouais. Non mais tu te rends compte la merde que ça va être maintenant, c'est à que quand je vais devoir stream, je vais devoir mettre ma sim dans l'hôtel le temps que je stream. Bien, le truc bien chiant quoi. Ah, je vois Panda qui est parti, qui est revenu. Julia l'a fait deux fois. C'est volontaire ou c'est parce que le stream lag chez vous? Après, ça peut être mon bot de chat aussi qui déconne, hein. On va prendre celle-là du coup maintenant. Alors, le pognon, le marchand. Interrogation. Pénétrer dans une salle et remarquer un grand trou dans le sol. Tandis que vous approchez du trou, une énorme créature serpentine en émerge. Oh oh oh! Bonjour, bonjour, qu'avons-nous là? Bonjour, je vais vous poser une simple question. Je n'ai pas vu plus satisfaisant que je vous pose tout s'offrir, êtes-vous d'accord? Je connais bien ce genre de ver de terre. On s'en reste 175 d'or. Ouais, on va prendre ça. Vas-y, on prend la carte. On pourra l'acheter plus loin. Bonjour, marchand. Ouh, c'est joli, ça. Transforme votre main. Épuisement. D'accord. Ah, d'accord. L'ennemi perd 9 de force pour le reste du tour. 4 de dégâts et 1 de vulnérabilité à tous les ennemis. Ouais, pas mal. Ouais. Ah, celle-là, on l'a pas dans notre deck. Perdez un PV, infligez 4 à tous les ennemis. N'oubliez pas de checker aussi les trinqués. Lorsque vous reposez, vous pouvez ajouter une carte à votre deck. Ça, c'est bien. Inflige 20 poids, ça, c'est bien aussi. C'est quoi celle-là? Vous gagnez d'autres forces. Je vais prendre celle-là, qui a l'air bien. Celle-là, si on ne l'a pas. Et le trapèze vert. Le parallépipède. Dégâts subis par les ennemis sous vulnérabilité augmente de 75% au lieu de 50%. Ouais, ouais, je suis pas folichon, quoi. Ça, par contre, je veux. Et c'est bon, j'ai plus de sous. Alors. C'est un méchant. Oui, il y a des méchants. Paf dans ta gueule. D'accord. Le mec est fou. Ça, c'est beau, ça. Là, ça va nous servir à rien, mais... Ça fait chier, celle-là. Ça fait chier, celle-là. Dégage. Attends, il va m'en mettre dans la gueule, là, en fait. Non, je peux même pas me protéger, quoi. Vas-y, je vais la prendre quand même pour voir. Là, ça me rajoute 2, mais... Je ne peux rien faire. C'est dommage. Aïe. Enfin, une carte aléatoire, quoi.
Meurs! 7 dégâts à tous les ennemis. Inflige 6 de dégâts, ajoute 2 points de dégâts par carte de frappe. Ça c'est bien. On va aller pouvoir récupérer une carte après. En entrant dans la salle, vous entendez un gargouillis, un grincement métallique. Devant vous se tient une créature visqueuse qui a mangé bien trop de ferraille pour son bien. Dans la créature, vous captez l'éclat d'étranges lueurs. Ok, je suis prêt, je suis chaud. Je perds les PV pour récupérer la relique. Et c'est quoi la relique? Vous gagnez une énergie au premier tour de chaque combat. Ça, c'est bien. Là, on peut récupérer une carte, normalement. Je vais faire un petit coup de forgeron. Donc, il dit, faut stuffer protection. Et ça améliore une carte de votre main, améliore toutes les cartes de votre main. Nice. Ça, c'est bon, ça. J'ai plus assez de pognon. Et j'aimerais bien me fight un coup, là. C'est pas le bon plan. J'aimerais bien lui mettre full dégâts, quoi. Paf, dans ta gueule. Paf. Paf. Au moins, il te volera pas grand chose. Si, si, là, il vient de me voler. 5. Non, je peux pas lui mettre dans la gueule. Ah bon, Panda, tu m'as pas répondu, du coup t'as relancé le stream parce que tu l'as fait, t'as voulu refresh ou parce que le stream y avait ça laguait. Gagner 5 de blocage, infligé 3. Ça c'est bien. Paf. Non, j'ai rien fait, le stream a sauté 2 secondes. Ah bon. Non bah alors c'est le bot qui a déconné. Non parce que comme on est reparti à 3500 de bitrate, je sais que tout le monde ne peut pas forcément regarder. Et il y a beaucoup de gens qui sur les streams mettent en résolution par défaut source. Au lieu d'auto. À la fin du tour, perdez un PV, infligez 4 à tous les ennemis. Ça c'est intéressant. Il y a 6 PV en même temps. Vous ne rencontrez plus de monstres dans les salles. Qu'est-ce que c'est que cette merde? T'as 9. Hop, si vous avez des cartes, 14, 18. T'as 7. Les salles, point d'interrogation. Ah, bonne nouvelle. Ça ne change rien. Ah mais ça augmente qu'une, ça le problème. Inflige 8 dégâts, applique 2 de vulnérabilité. On va mettre celle-là. Oh des petites merdes. Je suppose qu'elles vont toutes vouloir m'attaquer en même temps, c'est ça. Donc 5, 5, 10, 13, 16.
16-21. Ça va être compliqué de tous les bloquer. En même temps, ils ont que 10 PV par contre. Je vais full défense. Et je vais essayer de taper au plus. Là par exemple. Non, ceux qui tapent le plus. Paf. Paf. Ils ont forcé sur la Harris. Ah, la tasse a failli voler. Ouais, ça va taper. Hein. Quand même con pour des petites merdes comme ça. Ah, j'ai protection. Paf. Ça, ça va servir à rien. Ça peut être bon, ça. Dans cette horde là, t'as eu que le debuff et pas le buff. Lol. Dans ta gueule. On va se prendre encore un peu de deg. Ouais, ça fait un chiffre rond. 70. Un 6, c'est pas terrible. Hein. Easy. Piocher 3, piocher plus de cartes pendant ce tour. Inflige 6 de dégâts, ajoute 2 points de dégâts par carte de frappe. Gagnez 12 de blocage, quand on vous attaque ce tour, vous infligez 4 points de dégâts. Putain, ça c'est bon. Je prends. Découvrez une masse de lumière chatoyante qui englobe le centre de la salle. La lumière est chaleureuse et motif en jouant qu'à dessiner. Je vous invite à y pénétrer. Vous perdez 17 PV. Allez, je suis chaud. GG moi, GG Snarit pour le level up. Oh, un coquillage de l'enfer. 110 PV quand même, ça rigole pas. Il dort. Est-ce qu'on le réveille? Il dort là. Il gagne 8 de blocage à la fin de son tour. Petit PD. Faire ça. Il est réveillé. Il est étourdi. Il ne peut pas jouer. Il va me foutre 18 dans la tronche. Ça rigole mieux. Ça rigole moins. Bah là, là va servir. Gagnez 9 de blocage. Utilisez une carte de votre main. Non, celle-là va servir. Paf. Boum. Là, ça rigole plus. Et je mets une petite frappe vite fait, quoi. J'aurais dû mettre un bouclier, je suis con. Et va me remettre 18 dans la tronche. Putain.
Ça va faire mal. Aïe. N'est pas con, tu es spécial. Vous pouvez pas comprendre. Je suis un incompris. Il va faire quoi là? Effet puissant négatif. Ah. Aïe. Je peux pas me protéger. J'ai un malus. Ça vaut le coup. Cool. Le cache est un peu changé en tête d'œuf. Ah, je lui ai mis cher là. Je vais manger, mais je lui ai mis trop cher. Allez, va te faire foutre. Première fois que vous perdez des PV lors de chaque combat, vous piochez 3 cartes. Easy. Et puis, toutes les cartes sauf attaque, gagnez 5 de blocage par carte épuisée. Quand vous jouez une carte d'attaque, gagnez 4 de blocage. Putain, ça c'est bien. La fin du tour, un point de dégâts à tous les ennemis par carte attaque jouée. On sait pas combien de temps ça dure. Je pense que pouvoir c'est tout le temps. Compétence ça doit être pendant un tour ou plusieurs tours. Ça c'est bien. Faut qu'on se refasse là. Lorsque vous ramassez, vous pouvez choisir à améliorer une attaque. Ah, d'accord. Prendre celle-là. Je peux plus rien acheter ici, ça. Prendre ça. Et tu veux juste aborder le boss Tier Life, pas faux. C'est mieux que tout à l'heure déjà. Ah bah non, il y a un feu. Non, non, repos. Et en plus, j'ai gagné une carte. Je connais bien ce genre de confiance. 4 dégâts et 1 de vulnérabilité à tous les ennemis, ouais. Inflige 12 dégâts, applique 2 de faiblesse. La petite manchette, on apprécie. Et on arrive avec le boss, quasiment mid-life, un peu plus de mid-life, ouais. Alors, c'est un gros bébé. En dessous de 50, il se sépare en deux. Et là, il m'attaque avec 9. Ah, le petit bâtard. Une carte en moins pendant 2 tours. On sait pas ce qu'il va faire. Ok, on va faire ça. Faire ça. Ça. Ouais, j'ai mis la rage exprès comme ça. J'ai pas beaucoup d'attaque. J'en ai qu'une attaque en fait, donc ça sert un peu à rien. J'ai gagné blocage. Ça, c'est au cas où. On va être pas mal.
Vas-y, attaque-moi, attaque-moi. Putain, il m'a pas attaqué. Les petits drops sont de retour. Ah oui, effectivement, oui. C'est bon, c'est revenu. Ça, il va me faire mal, hein. Sachant que je gagne 3 de blocage. Ça passera pas. Oh le bol. Il va me réattaquer le bâtard. Je vais manger. Ah moins que ce que je prévoyais. Ouais. Je sais pas ce qu'il va faire. Eh, évidemment, il s'est divisé. Ça passe. Ah ouais, j'ai pas assez de... Je suis con. Je reste frère. Bon, normalement, c'est fini ma réduction de récupération. 16. Oh la vache! Ça, il va me faire masse. Va me faire très mal là. Pas jouer de carte attaque, ça sert à rien. Ça va être la merde là. On va mourir. Ah, ils font chier les cartes play là. Oh putain, ils se redivisent. Ah, personne m'attaque. Mais j'ai pas de carte attaque. Putain. La fin est proche.
Comment ça se fait que je tombe sur un dur comme ça dès le début? Ah, ça va faire mal là. Ouch. Bon, chier les cartes play là, ça m'énerve ça. Ah, j'ai plus d'énergie. Et merde, ça fait chier, hein, je l'avoue. Ouais, c'est vrai, il y avait pas. Si, il y en avait une ou deux, quoi, je crois. Il y a vraiment que dalle. Oh, ça fait chier. On a perdu. Fort vénère. J'ai déroulé les cartes. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Paf. Faites un choix. Transformez une carte. Transformez une carte. Vas-y. Une carte à transformer. J'ai que ça au début. Tu comment on fait pour arrêter? Confirmer la sélection. Allô? Salut Nasus, bienvenue. Allô? Arrête la roulette. Arrête. Berserk, si vous pouvez se faire 50%, gagner une énergie. Ah. Que des monstres. Ça c'est pas mal. Salut! Comment vas-tu en ce vendredi soir, samedi matin? Moyen moyen à la roulette, hein. Ouais, c'était de la merde. On recommencera pas. Alors, petit boss. Non, petit ennemi. Hop là, ange. Il a dit caca. Par principe qui sert à rien, le grand classique début de partie. Ça me permet de limiter un peu les DP, quoi. Un petit peu. Oh là, il y a de la bonne carte là, non? Allez, un tour pour rien. Ah, il met 15 là, sérieux? Ah putain, quel con. Je suis complètement abruti là. N'importe quoi. Pourquoi je suis allé foutre un bouclier au milieu là? Alors, putain, je me prends des PV pour rien. Quel con. Désolé, my bad. Applique 3 fois de faiblesse et de vulnérabilité sur tous les ennemis. Épuisement, pas mal. La protection, hein, la carte goldée. Hein. Mais non, tu es juste spécial. Faut pas comprendre. Vous recevrez 175 d'or et une malédiction.
Je prends l'or et je me défausserai de la malédiction plus tard. Ah, des petites bestioles. Ça se recroqueville. Pas cette carte, mais si, elle est bien cette carte. Défausser de ça, là. Ça m'énerve. GG Perceval pour le level up. On a vachement défaussé la partie précédente. Non mais ça c'était parce que c'était hors stream, tu l'as pas vu. J'ai fait une micro coupure. C'est pendant un freeze, c'est ça. C'est de la merde ce que je viens de faire. Pensais avoir une énergie en plus. D'où? Elle aurait dû m'attaquer, ça aurait été bien. Le trinquet aurait fait le taf. Et les 7 dégâts, tu voulais pas les couler. La merde. Putain, on joue mal là. Ça peut être intéressant. Le mec n'a pas le temps, il commence direct quoi. On va voir ce qu'elle fait. Pas terrible. Ça peut le faire. Je connais bien cette sensation d'être incompris. Il mâchouille. C'est alors qu'il mâchouille. Malus bonus. Avec la MAF, votre malus bonus. On va full attaque. Hein. Ça, il m'a mis un malus d'attaque là, petit PD. Ouais, là, j'étais à deux doigts de mettre le bouclier quand même. Gagner 8 de blocage, piocher une carte. J'avoue, elle est GG celle-là. Ah, peut-être améliorer à l'infini. Enfin, j'espère que ça n'en retombera dessus. Ok, comme d'hab, protection. Ça passera jamais. Ouais, je t'ai pas dit, mais le jeu a l'air un poil mal cadré. On voit pas le bas des cartes dans la main. Tant que tu ne les fais pas monter. Ah non, mais c'est normal, hein.
C'est normal, moi-même là je ne vois pas le bas des cartes. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, celle du milieu, la carte doute, je vois juste injouable. Comme vous normalement. Je vois juste injouable. En dessous, je vois pas ce qu'il y a. Faut que je la sélectionne pour monter. Ah non, le jeu est cadré comme je le vois. Play actif. Alors, ça va attaquer, ça va rusher. J'aimerais bien garder des PV quoi en fait. Hein. Tiens bah toi, petit bâtard là. Prends dans ta gueule. T'as pas vu venir celle-là. Hein. Bloquer un coup quand même. Hein. Ah bah je peux assez d'énergie. En train de m'avachir sur ma chaise là. Elle est bien la carte doute hein. Ouais elle fait bien chier. Vivement que je m'en défausse. Ça va encore spammer les attaques quoi. C'est pas lui que j'aurais dû taper. Aïe. Aïe. Malus. Protection. Paf. Paf. Elle est où? Appliquer sur toi. Mange. Carte offrande a plus du fion aussi. J'avoue, je l'ai prise, mais on l'a utilisé qu'une fois, pas terrible. Terrible. Je mange, hein, sévère. Hein. Des petites merdes. Ah, une défense plus. À 8. Merde, dommage. Le bon midlife, là, bah, c'est terrible, hein. Je sauve les meubles mais on va retourner sur Ali Dangerous hein. Protection par contre hein, et la spam hein. Bonne question. Monte à 6, ouais, vas-y, monte à 6. Ça va faire mal. Ah, j'ai pas un truc sur... j'ai pas une attaque de zone, quoi. Peut-être de chevet, la table à manger elle est déjà partie pour la Syrie, là. J'ai même pas de protection, sérieux? Ok, je n'ai rien. Mange. Mange, et puis là, ça va être tendard. 5 dans ma gueule. Vraiment midlife, ouais. Quasiment, quasiment. Et puis il me lâche pas. Hein. Genre, c'est que. Putain, je peux pas. Il m'a défaussé l'attaque, ce con là. Putain. Je voulais améliorer l'attaque, il m'a défaussé l'attaque. Ah non, il est toujours là. On peut pas l'améliorer plus. Gagner 2 de force avant le tour, perdre 2 de force, l'ennemi perd 2 de force, épuisement. Prendre ça.
Oui, mais plus d'attaque, c'est mieux. Ok, là, on va rigoler. Bon, dans ta gueule. Là, ça va être tendu. Faut pas jouer de carte compétence. Et bah, j'ai pas le choix, il va me foutre 14 dans la tronche. Voilà. Ah bah oui, hein, mais je fais ce que je peux. Putain, y en avait une plus forte là. Je joue trop vite. Il a toujours son bonus. J'ai spammé les attaques, rien à branler. Sachant que les boucliers comptent comme des cartes. Eh oui, c'est des cartes compétences. Mais là, je vais manger. Hein. Je foutrai jamais masse dégâts. Hein. Attention, ça va faire très mal. Ça va trancher, chérie. Aïe. Vivement le repos. Hein. Putain, je vais utiliser ça, il va encore me bouffer. Attention, ça va faire très mal aussi. Bah là, c'est tendu. Hein. On peut faire la rue Michel. Bon, bah ça va être terminé. Hein. On peut rien faire là. Hein. Tente ça pour voir, mais. Ça fait 12, 18, 18, 24. Putain. Attends. Si, je peux le bouffer. Non, non, je peux le bouffer. Bam. On a la fleur. Les dégâts à tous les ennemis récupérés. Total dégâts non bloqués, épuisement. Pas mal ça. Ouais, je l'avais. Oh le feu. Repos. Repos celle-là. Ça, c'est vraiment de la bidouille hein, ce qu'on fait là. Vous mettrez dans un couloir rempli de champignons aux couleurs hypnotisantes, étant donné que votre manque d'expertise. Vous récupérez 20 PV, oui. C'est pas grave, je suis contaminé, c'est pas grave. Lorsque vous atteignez un site de repos, vous commencez le prochain combat avec 2 énergies en plus. Nice. Encore un feu. Repos. Full life. Ah, je suis plus à une carte un jouable près, c'est vrai. Le marchand, voilà, ça s'enchaîne, hein, le jeu en speedrun. Illumination, réduit le coût des cartes dans votre main de 1 pendant un tour, c'est pas mal. Inflige des dégâts selon le nombre de cartes de votre pioche, ça c'est bien aussi. J'achète. 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 J'avais dit que je la voulais celle-là de toute façon. À la fin du tour, perdez 1 PV, infligez 4 à tous les ennemis, c'est pas mal. Au début de chaque combat, vous récupérez 2 PV. D'accord, c'est pas mal ça. Je prends. Et j'ai plus rien. On va se refaire. Je me rappelle, mais c'est pour être sûr que t'oublies pas. Encore un coffre, oui! Tous les 3 mélanges de deck, bim, encore 2 énergies. Putain, mais on va spammer les 20 cartes en même temps. Ah, plein de petites merdes, c'est mauvais. Ah, puis lui, il a la colère de merde. Ah non, c'est pas la même. Faut pas l'attaquer, quoi. Voilà. Encore embousillé, hein.
carte offrande de merde. On a eu du mal à se foutre full live déjà, donc on est pas mal, on est pas mal. Je vais me le faire en dernier celui-là. On s'est en armure, lui il a rien là. Inflige dégâts sur le nombre de cartes de votre pioche. Pas mal ça. Sur sa gueule. Bam. Ah, je me suis même pas protégé comme un con. Mais ça améliore. Si je peux l'améliorer ça. C'est con hein, de la cramer pour ça, hein, mais bon. J'aurais pas dû améliorer la case, ça servait à rien. Hein. Ah merde, j'avais pas vu qu'il attaquait aussi l'autre là. Dommage. C'est 3 PV de perdu pour rien. Pendant ce tour, votre prochaine carte attaque sera jouée deux fois. Ça c'est bon. Ça c'est bien, sauf que j'ai que 4. C'est de la merde. La carte parasite de merde. Pour ça de prix. Aïe. Parasite tout dans la même main. Eh oui, c'est clair. Ça, c'est la faucheuse. 3 dégâts à tous les ennemis. Récupère le total dégâts. Non, joué, épuisement. Mais l'autre, faut pas que je l'attaque. Sinon, ça va être la merde. Voilà. Ça, ça compte pas pour toi. C'est bon. Amplifie 6 dégâts. Applique 2 de vulnérabilité. Bim. Bah quel con. C'est quoi celui que tu gardes pour la fin? Bah je sais pas, il attaque des trucs, il fait des trucs. Putain, il est pas mort. De toute façon, il attaque, il va crever. Mais attends, j'ai pas le... Ah non, merde, j'ai pas le l'écaille. Bon, je croyais que j'avais l'écaille, ça faisait partie du perso, mais non. Ah, fais chier. Fais chier. Ça m'énerve. Bah non, c'est de la merde. On va faire celle-là, mais ça sert à rien. Ouais, elle aurait fallu une attaque. Quoique j'aurais dû utiliser l'offrande, je piochais, donc j'aurais peut-être pu avoir des attaques. Pas grave, on n'est pas un tour près. Paf. Et voilà. Et on revient full life. Inflige 2 de dégâts, applique 2 de faiblesse. On l'a. Inflige 6 de dégâts, ajoute 2 points de dégâts par carte de frappe. Ça, c'est pas mal. Gagne 7 de blocage. Ah, celle-là, elle est bien. Oh putain, le truc de merde. Et j'ai le parasite. T'es sûr. Hein. Pas trop ce que je voulais, mais oh là putain. C'est vrai qu'il a ce pouvoir là, lui. 14.
Rien, quoi. Un peu mieux. Eh bien, c'est que dans ce combat, il y a moyen que tu te retrouves avec que des cartes injouables dans la main entre les tiennes et celles qui te filent, c'est clair. Donc j'ai 7 coups à jouer. T'es sûr? Bloque et frappe le petit devant, mais le petit devant il est mort, hein. Putain! Pourquoi je peux pas améliorer l'attaque? Parce que j'ai pas d'attaque en fait. Putain, j'étais persuadé d'avoir une attaque en stock. Chez le parasite, hein. Je m'appelle Slow Fingers. J'aurais plus appelé Crazy Fingers des fois vu les messages que tu tapes. J'ai pas de bouclier. Pas le choix. Pas terrible, hein. Piocher 3, possible de piocher plus de cartes pendant ce tour. Pas mal. Ça c'est bien. Allez, t'as déjà été plus mal barré, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je préfère être full life hein, sur un boss. Après, j'ai pas les reliques que je veux, quoi. Il me manque quelques reliques que j'aimerais bien, quoi. GG Uda pour le level. Oh, merci pour le follow, Zeltarion. Bienvenue chez les Tétards, tu peux l'ajouter à ton CV, ça te fera moins 20% sur ta prochaine facture EDF. C'est un cadeau que je fais. Alors, et bienvenue à toi, du coup. Donc c'est la boule de merde qu'on a eu tout à l'heure. Et il me semble pas qu'on l'ait défoncé celle-là. Je sais plus. On a le super uppercut de la mort. On sait pas ce qu'il va faire aussi, donc Je tente le tout pour le tout. Paf. Le double uppercut dans sa mouille. Bam. Voilà. Qu'est-ce que t'as à dire, mon gars? La manger. Non mais fantôme à 6 faces alors que bon c'est un rond. Bon là je veux bien qu'au centre, oui on en voit que 3, hein. Je suis désolé. Hein. Hello Zeltarion. Alors comment ça va en ce samedi matin plutôt là? Bon je pète sa mouille. Hein. Paf, paf, voilà, mange. On me la fait pas moi. Je suis un gamer avec un arrobase.
Ok, ça y est, il s'excite là. Reste calme. Ah oui, d'accord, ouais, il attaque lourd dès le début, quoi. Genre, l'autre, il va me mettre 32 PV dans la tronche. Ça va être tendard. Ça passera jamais, si. 25, plutôt pas mal. Je m'en sors bien. T'as déjà réussi avec ce perso-là? De quoi buter un boss? Ma première partie, on a buté le premier boss, on s'est fait péter au deuxième. Et après, on a refait quelques games où au premier boss, on s'est fait poutrer, mais avec l'autre perso. On l'appelle la rondelle flétrie. Je connais bien ce genre de rondelle d'oignon. Bon, 10, ça va. Regarde, ça, dans le cul, mon gars. Voilà, 6. Bon, je lui mets ça, mais je vais me prendre les trucs dans la tronche. Hein. C'est, en fait, c'est la parasite qui nous emmerde. Hein. Oh, il a plus qu'une bouboule verte, là. Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Je suis blindé. Qu'est-ce qu'il y a? La faucheuse. On l'aime bien, la faucheuse. Elle est pas mal. Mais il y a l'hypercute. J'améliore l'hypercute. Passe pas. Parasite, la carte que tu devais défausser. Ah non, je confonds avec le doute. Pour l'instant, je suis peinard. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, je tente le tout. On a vu mieux. Le doute m'habite. Bon, il a pris cher, là. Là, j'aimerais bien lui mettre un max de dégâts, mais faut quand même que je me protège. Là, je suis bien en énergie, hein. Bien, bien, bien. Et tu vas mettre 10 dans la tronche, ça va me faire tout drôle. Je trouve qu'on s'en sort bien, là. Protection, pas mal. Putain, ça vaut rien, ça. Je vais rester... Putain, c'est dommage, on avait vraiment de bons trucs, là. On aurait fait redouble hypercute, c'était correct, hein. Allez, mais va te coucher, là. Ça m'a rajouté encore 3 cartes de merde. Ce qui fait pas trop mal, quoi. Il attaque pas trop violent. Aïe.
Ah, j'ai pas assez d'énergie, fait chier. Même pas demandé c'était quoi la carte améliorée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente la défense? Allez, je tente la défense. Que si tu joues la carte qui inflige dégâts en fonction que tu les fausses en 20 tours, tout au début ça doit jouer un peu. C'est clair. Mais non, je crois que le laser c'est en fonction des cartes que j'ai en main d'attaque, hein. Putain, il va me foutre des dégâts partout quoi. Tu mets dans ta gueule, non? Je peux pas. Bah là, le bouclier ne sert à rien. Ah, d'accord. Wizard, ton ombre dans la pioche. Ah. Merci pour l'info, Zeltarion. Elle va me remettre 14 dans la gueule. Ça va faire mal. Là, ça va faire très très mal. C'est vrai que j'ai des potions, c'est vrai, c'est vrai. On n'y pense pas. Ok, utilise un... Oh putain. C'est la mauvaise pioche. Ah, c'est la vacherie, ça. C'est la vacherie, ça. 18 dans ta tronche. Ça va faire mal, hein. Là, là ça va être tendard, hein. Attention, ça va faire mal. Bam! Bah, c'est obligé, je le finis là. Enfin, même pas. 6, 6, 12. Ah! Putain, non, ça passe pas là. Il manque 2 PV. Ah non, attends, il est vulnérable. Ça passe. Bim! YOLO! On va faire un café. Pause de 5 minutes. Doucement sur le chat, les modos, hein.
Alors, on est toi, Zeltarion qui est parti. Oh, un berserk, c'est de la merde, on l'utilise pas. C'est une carte, t'es plus j'ai une carte. D'accord. Prends celle-là pour voir. Pour test. Un coffre. Pour chaque lot de 5 cartes dans votre deck, vous récupérez 2 PV lorsque vous accédez à un feu de camp. Ouais. Non. Non plus, on va prendre ça, oui. Bon, essayons de passer la ville cette fois. Et je vais passer en mode veille, je garde un oeil sur toi, mais c'est possible que je finisse par se fermer. Ça roule, Snarit. J'ai de l'or, j'ai pas trop d'or. Ça a l'air pas mal. On commence direct avec deux bandits, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça va le chat, ça s'endort pas? Nasus, Percy, Panda, The Voxing Game. Voxing Game qu'on n'a pas entendu. Soyez sages, ils sont nus quand on dit pas de conneries. C'est vrai. C'est pour ça que t'es là tout le temps. Sinon, ça serait plein. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc aussi. Paf. Voilà. Il y en a un dans le chat qui a gagné sa petite épée. Alors. Je suis là tout le temps parce que je suis en vacances. Alors même quand tu bosses, t'es là souvent. C'est bon public, du coup je me défoule. Bah oui, sinon on streamerait pas, c'est pas marrant sinon. Ils vont me piquer 15 à chaque fois, petit bâtard. Ah, fais gaffe à celle que tu vires. Hein. Non, mais je vais attaquer avant en fait. Voilà. Allez, changement de PC. Ah. Le laser. Le laser. Prends. Prends ça. Vilaine, va. 8 dégâts. Ouais. Ah, on peut essayer ça. On va essayer ça. Ça donne quoi, ça? Ah, j'ai pas assez d'énergie, je suis con. Je sais pas ce que ça fait, mais... On prend cher dès le début. Hein. Une heure moins ça. Ça se passait. Ce n'est pas du tout assez. On se fait démonter le fion. Aïe, hein. Hey wa Medi Taiwan. Putain mon gars, je pioche une carte. Je veux. J'aime bien cette carte là. Cad, bon bah toi tu vas crever. Voilà. T'apprendras, vilaine. Non mais l'autre elle bloque aussi en fait. C'est quoi son truc là? Cet ennemi compte s'échapper. Ah ouais, ils peuvent faire ça. Tu ne t'échapperas pas. Tiens, mange. Merde. Tiens.
Tu vas se barrer, petit bâtard. Je me tire. Ah ouais, carrément. En lâchant un énorme P. Ils ont le droit de faire ça. Un ennemi compte attaquer et gagner 3 de force. Ça, c'est bien. Ajoute une carte aléatoire machin, fiche 10 dégâts. Je prends ça. Ah, c'est que ça m'apporte 2 PV. Donc, ça va attaquer pas mal. Et j'ai rien. Juste ça. C'est de la merde. Pas terrible. Voilà. Nique-toi toi-même. Et bah c'est pas terrible. Je sais pas mal. Ça se tente. Mais il est pas mort. D'où t'es pas mort, toi? Ouais, c'est vrai qu'en l'air, ils se prennent 50% de dégâts en moins, je crois. Hein. C'est pas ça le truc. C'est ça. Ah. Je veux ça. Ah, c'est sur qu'un ennemi. Oh, le truc cheaté. Là, je pensais que c'était sur n'importe quel nombre d'ennemis qui attaquent. Oh, t'as gagné. Ça va viander. Bah, je les ai pas gagnés, mais Ah putain, c'était une carte à défausser, non? Non? Bah non, c'est bon, elle est là. Je ne capte plus rien ce qui se passe. Hein. Ça va quand même faire mal, hein. Pam. Mieux qu'une mitraillette. Alors, regarde un peu. Toi dans ta gueule. Je vais te finir toi. Voilà. Ah oui, il a toujours la force en moins là-bas. 10. Alors on la joue quoi? On la joue safe ou on lui tape la gueule? On lui tape la gueule. Ah mais il prend 50% en moins quoi. Il lève, tu récupères pas trop de Zach. Je suis un fou, moi. GG pour le level up. Toujours bug, The qui est premier. Je sais pas si c'est toujours... Attends, on va regarder si c'est toujours bugs. Merde, c'était pas ça. Merde, bah c'est... Ah, je sais plus c'est quoi. Merde, je sais plus. Je sais plus c'est quoi la commande pour voir les levels. Du continuer à s'épuiser machin. Ça, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Ça donne rien. On peut full block. On va full block. Faites un petit coup de latte. Paf. Le petit coup de latte dans le dos. Attention, il a fait croix-croix. Bon, personne n'attaque. Voilà. Dans ta gueule.
Ça prendra. Ouais, mais tu fais rien du tout, hein. Bon, maintenant il peut le faire. Ça m'a amélioré laquelle? Celle-là, non? Ah, bah, ouais, mais il va pas tout se prendre. Ah, je la joue safe, hein. Ah, puis je peux pas la jouer, c'est mort. Ouais. Je la joue safe. Du coup, il peut plus attaquer encore. Nous, on peut spammer. Paf, dans ta mouille. Putain, 12, la vache, putain, comment je fais mal. Oh là là. Je fais trop mal. Regarde, maman, t'as vu comment j'ai fait mal aux méchants? Tiens, mon gars. Redonne-moi de la force, voilà, sur 9 tours. Tranquille, easy. Sachant qu'il va mettre 11 dans la gueule, quand même. Oh, 22. Mais alors là, mais tu pourras jamais t'en sortir. Ah, cette carte-là, elle est violente, hein. On a failli pas cliquer sur les trucs. 14 dégâts. Pas mal. 16 blocages. Ça, c'est bien. Je prends ça. Je prends. Devant vous, une étrange créature présentant un dos bossu d'où sortent plusieurs tentacules farfouilles dans une pile de déchets et de débris. À votre approche, elle s'avance vers vous d'un pas traînant, n'affichant aucune hostilité. Nerotat Fame. Donnez à manger à Nerot. Vous perdez cette relique. Vous gagnez une nouvelle relique spéciale. Mais quelle relique j'offre? Vous perdez cette relique. Vous gagnez une nouvelle relique. Ah, d'accord. C'est service à thé ou sans ardent. Alors. Service à thé. Quand j'atteins un site de repos, ça me donne... On pourrait la donner. Je veille au gros, hein. Sans ardent, c'est... Ah, c'est mort. On file le service à thé. Vous lui tenez la relique, Nrot vous l'arrache des mains avec ses tentacules, se décroche presque la mâchoire et engloutit votre offrande d'une seule bouchée. Il vous fait un large sourire révélant toutes ses dents, tandis que d'autres tentacules apparaissent sous sa cape et brandissant une boîte qui semble des plus impeccables. Il pousse la boîte vers vous jusqu'à ce que vous la preniez. On a gagné quoi? Allez là la boîte, triple vos chances de recevoir des cartes rares comme butin sur les monstres. LOL! Trop bien. Best ever game. Alors, le bouquin, on l'a déjà fait. J'ai pas eu le temps. Je me rappelle pas avoir. Je me rappelle pas de la carte. Je sais pas s'il y a un feu de camp derrière. Le bouquin, c'est au moins 15 PV en moins. Hein. Allez, ça se tente. Je demande à voir. Vous commencez chaque combat avec une carte pouvoir aléatoire. Ça, c'est bien. Mais on a pris trop cher, et il n'y a pas de feu de camp dans l'immédiat. Le prochain est tellement loin. On va se faire défoncer. Incroyable. Sur ce stream 2.0, en Bluetooth. D'accord, vos PV augmentent de 5, mais vous perdez 20 PV. Ah! Je peux rien faire. La malédiction, c'est mort. Ça va être très tendu. Oh, la partie de merde. On avait bien démarré pourtant. Le Bluetooth. Wow. C'est la merde, hein. J'ai pas un truc qui me fait me récupérer des PV là. Alors ça c'est bon. Ah, ils vont tous m'attaquer en plus, ils vont me spammer, je vais crever dès le début. Je vais tellement mourir. Ça va être la fin. Aïe. Bon, c'est terminé, on va mourir. Hein. Voilà.
Merci, hein. Merci, bonsoir. Voilà, pas de cette façon, de la merde. Bon, bah, je pense que ça sonne le glas, hein. Ça sonne le glas du glas, hein. Là, le jeu nous dit, arrête-toi là, hein, c'est mieux. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais même pas à combien d'heures on est de stream. Eh ben c'était bien sympa pour un jeu qu'on a reçu la clé qu'on devait... Percy, je t'avais dit genre on va y jouer un quart d'heure. C'est bien marrant, on reviendra dessus. Hein. Sur ce... des bisous à... Basnarit, des bisous. On se voit demain. Nasus aussi. Nasus, je sais même pas s'il est encore là. S'il est encore là, Nasus. Nasus, tu t'es endormi ou quoi? Panda aussi, Panda, je sais pas, Panda il dort aussi. C'était frais. Je reste frais. Je connais bien ce genre de jeu de cartes. Ma mère en a inventé 10. Donc des bisous à Nasus, Panda. C'est cool d'être passé, surtout à cette heure là. On n'était pas très confiants hein, de faire un stream à 1h du mat. Et puis comme d'hab, n'hésitez pas à vous follow à la chaîne si vous l'êtes pas déjà pour être au courant des prochains lives. Les subs et les bits sont à moins 20% en ce moment. Ça devait être pour les fins d'année, mais ils ont continué. Et puis, il y a personne à aller host. Il n'y a personne. Si, il y a Sierra. Sierra qui est sur The Division. On va aller host Sierra. Bonne nuit, petit panda. Et Nasus doit vraiment dormir. Ou alors, il ne veut pas me parler. Lol. Alors, putain, alors son truc est hyper chiant à taper. Paf. 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 Zone. Zone interdite, zone interdite. Mais on reviendra sur ce jeu-là. Allez, des bisous!